Dans le chapitre de transformation, le premier cours est intitulé Rappel sur la symétrie axiale. Ce cours est préparé par l'inspecteur Mohamed Bachir Al-Sidati et présenté par l'inspecteur Mohamed Tanoulaid. Le cours est conçu comme d'habitude suivant le plan suivant. Objectif, activité introductive, résumé de la leçon, application et évaluation. Les objectifs de la leçon, se rappeler sur les connaissances et techniques des bases relatives à, premièrement, la construction symétrique d'un objet simple, entre parenthèses, point, segment, droite, quadrilatère, par une symétrie axiale ou une symétrie orthogonale par rapport à une droite. Deuxièmement, identification des figures symétriques par rapport à un axe. Troisièmement, identification d'un axe de symétrie d'une figure simple. Premièrement, activité introductive. Activité 1, premièrement, A, choisir un point B' tel que delta soit la médiatrice de B'. B, même question pour les points C et D. 2, on note S delta, la symétrie axiale d'X delta, reprendre la question précédente avec un point quelconque M tel que delta soit la médiatrice de M'. Troisièmement, A, compléter AB se transforme par S delta 1. AC se transforme par S delta 1 et BC se transforme par S delta 1. B. Quelle est la nature du triangle ABC? Quelle est son image par S delta? C. Que peut-on dire de ABC et son image? Activité 2. Reproduire les 6 figures ci-dessous, puis déterminer le nombre d'axes de symétrie pour chaque figure. La première figure est un cercle dans lequel est inscrit le nombre 80. La deuxième figure est un cercle avec deux diamètres perpendiculaires au centre. La troisième est un cercle simple. La quatrième est un carré. La cinquième est un losange. Et la sixième est un triangle rectangle. Traitement des activités. Activité 1. Premièrement, A. En utilisant le quadrillage, on place B'. Vérifiant les deux conditions, AB égale AB' et delta perpendiculaire ABB' en A. B, de même, on place C' et D'. 2, on vient d'appeler la transformation dite symétrie axiale ou symétrie par rapport à une droite, vue en classe antérieure, soit S delta, la symétrie axiale d'axe delta. On place M', l'image de M par les mêmes procédés qu'auparavant, et on note S delta de M égale M'. Troisièmement, A, on a AB se transforme par S delta en AB'. AC se transforme en S delta par AC'. Et BC se transforme par S delta en B'C'. B, on constate que le triangle ABC est isocèle en C et S delta de ABC égale à B'C'. C, on peut confirmer que le triangle AB'C' est isocèle en C', image de C. Activité 2, après reproduction des figures, on dégage le nombre d'axes des différentes figures comme indiqué dans le tableau. Figure 1, un seul axe. Figure 2, 4 axes. Figure 3, une infinité d'axes. Figure 4, 4 axes. Figure 5, 2 axes. Figure 6, aucun axe. 2, résumé du cours. Définition. Premièrement, soit delta une droite. M un point n'appartenant pas à delta. M' est symétrique de M par la symétrie d'axe delta, si cet axe est la médiatrice de M'. N appartient à delta, le symétrique de N est lui-même. 2. Delta est appelé axe de symétrie. On écrit S delta, on lit symétrie d'axe delta. Remarque, l'axe d'une symétrie axiale est invariant. Exemple, soit delta une droite, M un point n'appartenant pas à delta, construit le symétrique de M à l'aide de la règle non gradiée et le compas. Réponse. On trace un arc centré en M de telle ouverture qu'il coupe D en deux points F et K. On conserve la même ouverture du compas. On trace deux arcs de cercle centrés respectivement en F et K. On marque le point d'intersection de ces deux arcs, c'est le point M'. M' est l'image de M pour la symétrie d'axe delta. Propriété. Premièrement, l'image d'un segment par une symétrie axiale est un segment de même longueur. Deux figures symétriques par rapport à un axe sont superposables. Exemple, reproduire la figure ci-contre. B,
Premièrement, construire le symétrique du polygone ABCDE par rapport à delta. Deuxièmement, comparer le périmètre et l'aire de la figure et celle de son image. Réponse. En utilisant les quadrillages, on détermine les images respectives A', B', C', D' et E' de ABCD et E par la symétrie axiale d'axe delta. Deux, les deux figures ont même aire et même périmètre car la symétrie conserve les longueurs. Remarque. On peut vérifier matériellement la superposabilité de la figure et de son image en utilisant l'une des deux méthodes suivantes. Pliage suivant l'axe delta ou papier transparent sur lequel on trace la figure initiale. Application. Exercice 1. Sur la figure ci-contre, le segment AB a pour longueur 6 cm. Il coupe la droite D en C avec AC égale 2 cm. Premièrement, construit les symétriques respectives A', B' de A et B par rapport à D. Deuxièmement, quel est le symétrique de C dans cette symétrie? Troisièmement, les points A', C et B' sont-ils alignés, justifiés? Quatrièmement, donner la longueur des segments CA' et CB'. Corriger. On construit le symétrique de A par rapport à D à la règle non gradiée et au compas selon les étapes suivantes. On construit un arc de cercle centré en A avec un rayon permettant que cet arc coupe AB en deux points. On conserve la même ouverture du compas et on construit de nouveau deux arcs de cercle ayant respectivement pour centre ces deux points. Les points d'intersection des deux arcs se coupent en un point, c'est le symétrique de A qui est A'. Par la même méthode, on construit B'. Deux, par contre, l'image de C est lui-même car C appartient à l'axe de la symétrie. Troisièmement, comme A, C et B sont alignés, alors l'image de A, l'image de C, l'image de B sont alignés d'après les propriétés de la symétrie axiale. On a CA égale CA' égale 2 et CB égale CB' égale 6. Quatrièmement, évaluation. Exercice 1. A, parmi les figures codées ci-dessous, quelle est celle qui donne le symétrique de A par la symétrie d'axe D? Nous avons trois figures données. B. Donner tous les points symétriques par rapport à un axe dans la figure ci-contre. Exercice 2. Construire le symétrique de la figure F ci-contre par rapport à AB. Exercice 3. Parmi les figures ci-dessous, quelles sont celles qui sont symétriques par rapport à D? Merci de votre attention et à la prochaine.